Vous êtes prêts? Non. Non. Je vous rappelle que cette émission est le fruit du confinement. Mais voilà. Donc, les thèmes cette semaine sont musique, société et science. Bon. Voilà, je vous le dis. On va reprendre l'ordre dans lequel vous avez joué le jeu tout à l'heure, afin de définir les binômes et les thèmes. Donc, je vais d'abord demander à chacun s'il veut choisir un thème ou un binôme. Et tu vas voir, ça va se faire tout seul. Donc, pour l'instant, regardez, il y a partout. On mettra le classement après. Je vais demander du coup au gagnant du jeu tout à l'heure, Hugo. Est-ce que tu veux choisir un ou une partenaire, thème du soir, garçon contre fille, ou est-ce que tu veux choisir un thème, musique, société et science? Je veux un thème. Lequel? Société. Société, très bien. Donc la personne qui voudra être avec Hugo aura société. Ou la personne qui voudra société sera avec Hugo. C'est quoi déjà du coup, société? Et si la personne veut Hugo? Ben, elle aura société forcément. Elle aura la société politique, aura people, politique, people, économie, général. Ensuite, la personne qui arrive deuxième, c'est Gigi. Gigi, est-ce que tu veux un thème, un partenaire ou être avec Hugo dans société? Attends, rappelle-moi, société, musique et... Et science. Et science. Oh là là. Alors, ça m'inspire, mon Dieu. Bah, ou une personne. Tu as déjà fait deux de ces trois thèmes, je te dis. Mais saisis quelque chose. Oh, je sais pas. Société, musique ou science. Ah ouais, je pense plutôt société. Donc tu vas avec Hugo. Ouais. Voilà, les deux gagnants du jeu. Ensuite. Affini troisième, Doumé. Doumé, donc du coup, tu choisis soit de t'associer à quelqu'un, soit tu choisis musique ou science. Je vais partir sur la musique en priant que la personne intéressée soit passionnée. Quelqu'un pourra choisir soit de se mettre avec Doumé et aller prendre la musique, soit du coup, tu choisiras ce qui reste. Et là, ça dit. En tout bien tout honneur. Deuil, est-ce que tu vas avec Doumé pour la musique ou est-ce que tu prends... ou est-ce que tu choisis Je vais avec Doumé. Très bien. pas de science. Oui, c'est vrai que la dernière fois, ça t'a pas réussi. Et du coup, bah, tout simplement, je n'ai même pas besoin de vous demander, chers amis, Amélie et Flo, terminerez avec science. Bah allez. Hein. Flo, c'est pas le bon plan, les deux, ils sont forts. Hein. Flo, je crois que ça l'arrange. Oui. Oui. Mais ça m'arrange aussi. Hein. Alors, les deux, là, je crois que la science, c'est pas bon. Musique, Doumé, tu avais fait 12. Ouais, c'est clair. Doumé avait fait 12 en musique. Romain et Marc avaient fait 4. Joy et Gigi avaient fait 9. Société, Gigi, tu avais fait 10. Amélie, tu avais fait 9. Julien avait fait 12. Science, Amélie avait fait 13. Flo avait fait 7. Joy avait fait 5. Ce qui nous donne. En quoi? En science. Ouais. En science. Le classement, Hugo et Lorena sont premiers et l'autre va forcément. Soit dépasser, soit rentrer dans le rang par rapport à l'autre. Amélie, tu es donc remontée sur le podium grâce à Joy qui a plombé Romain. Merci Joy. Doumé, tu es cinquième. Tu n'es pas loin du podium. Romain, sixième. Gigi, septième. Septième ex aequo. Vous n'êtes pas loin du podium non plus. Surtout que c'est votre quatrième participation, tout comme Doumé. Donc votre moins bon score sautera. Donne vos scores à chacun. Score. 7. Nicolas est 9ème. Joy, tu es 10ème. Je dirais que tu vas remonter. Oui. Tout le monde est chaud. Oui. Allez. On commence. Alors, du coup, j'ai pas noté. Ah, oh bah, bravo. Hein. À Hugo et Gigi. Et je le rappelle, il y a Doumé et Joy sur musique et les intellos. Musique et les intellos sur science. Voilà, ça c'est. Et à ce. On commence donc avec Hugo et Gigi. Donc, oui. Qui veut commencer ? Alors, n'oubliez pas, hein, le principe, c'est vous répondez chacun votre tour. Qui commence à répondre ?
Bon, bah moi. Vas-y, vas-y, je te laisse. Hugo, un numéro entre 1 et 20, du coup. Merci pour ta calotrie. 4 Hugo, 4 4 4, ok. C'est toi qui commence, donc. À la fin de ma première question. Go, Gigi. Le chrono commencera. Tu es prête? Oui. Quelle est la monnaie qui circule en Allemagne? L'euro. Bonne réponse, Hugo. Vrai ou faux? Martine Aubry est toujours premier secrétaire du PS. Oh. Bonne réponse. Quelle marque nous dit à fond la forme? Décathlon. Bonne réponse. Quel conseil régional est présidé par Xavier Bertrand depuis 2015? Hauts-de-France. Bonne réponse. Gigi, qui est le père de la fille de Vincent Cassel? Passe. Vincent Cassel. Quel nom porte le siège de la police londonienne? Scotland Yard. Bonne réponse. Vrai ou faux? Sébastien Piñera est le président du Chili. Faux. Vrai. De quel pays vient une voiture qui porte la lettre D? Allemagne. Bonne réponse. De quelle ville Bertrand Delanoë a été maire? Paris. Bonne réponse. Comment appelle-t-on les habitants de la ville de Lyon? Les Lyonnais. Bonne réponse. Angela Merkel est-elle chancelière depuis 1995, 2005 ou 2015? Le premier 85. Non, 2005. Vrai ou faux, le franc canadien est la monnaie officielle du Canada? Faux. Bonne réponse. Ça s'arrêtera là. Est-ce que vous êtes content de vous? Bah, pas mal, je pense. Et Hugo ont donc fait un certain score. D'ailleurs, c'est que des binômes mixtes. Ouais, les choses sont bien faites. Les choses sont bien faites. Et parité. À Paris. Il n'y a pas de guerre. Est-ce qu'il va y avoir un écart de 17% entre les résultats pour les hommes et les femmes? Pas du tout. Non, moi, je suis totalement, totalement juste. Il est paritaire, lui. Paritaire. Et premier score. Doumé et Jai. Oui. Pour musique. Estamos aquí. Non, je parle pas espagnol, Doumé. Qui commence? Ok. Siamo qui. Tu veux commencer? Ah, qu'est-ce que... Non, honneur aux hommes. Allons-y. Et donc, tu commences. Joy, il y a un numéro entre les 20. Le 10, le meilleur nid chiffre du monde. C'est vrai, t'en es. Bon, pas bon. Dans cette émission. Je te l'annonce. D'accord. Doumé. Oui. À la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Allez, vas-y, envoie tout. De quel groupe Jim Morrison était-il le chanteur? Les Doors. Bonne réponse. Qui chante Aïcha en 1996? Khaled. Bonne réponse. Vrai ou faux? Bibi chantait tout doucement en 1985. Faux. Vrai. Avec qui Mariam interprète-t-elle les chansons de Dimanche à Bamako? Mamadou? Non, Madou. Amadou, bonne réponse. Qui était la roqueuse de Diamant en 1983? Passe. Catherine Lara. Quel nom d'origine italienne désigne une cantatrice célèbre? Quoi? Quel nom italien d'origine italienne? La Castafio? Non, une diva. Avec quel chanteur Carol Frédéric et Michael Jones ont-ils formé un trio? Goldman. Bonne réponse. Vrai ou faux, les To Be Free étaient deux. Faux. Bonne réponse. Quelle chanteuse veut qu'on la laisse kiffer la vibe avec son mec? James. Bonne réponse. Quel est le véritable prénom de Matt Pokora? Mathieu. Bonne réponse. Quel style de musique est indissociable de Bob Marley? Le reggae. Bonne réponse. Quel ado star chantait Baby? Bieber. Bonne réponse. Vrai ou faux, Aya Nakamura chantait la chanson Ma Besta? Vrai. Faux. Quelle chanson de Luis Fonsi était le tube de l'été 2017? Aïe, tu es pégo? Non, Despacito. Ah putain, oui, c'est... Bon, ah, c'est pas la même. Elle t'a dit qu'elle parlait pas espagnol. Catherine Lara. Flo, c'était pas espagnol. Flo, c'est moi. Amadou et Mariam. Oui, Amadou et Mariam. Elle a dit Mamadou. Non, j'ai redit. Elle s'est repris. J'ai redit Amadou. Elle s'est repris. Non, t'as dit Namadou et Mamadou. Non, j'ai dit Mamadou et Mariam. Elle s'est repris. J'ai dit Mamadou et Amadou après. Elle s'est repris, mais... donc... Ah, tu nous le comptes pas d'habitude là, tu le comptes. Oui, parce que c'est en duo, je le compterai à tout le monde, parce que c'est en duo. Mais Mamadou, c'était bien. J'ai été sympa avec tout le monde, et j'ai toujours été réglo quand vous avez pour vous laisser des points. Alors commencez pas à me faire chier avec à mon binôme, ok? Mais non, c'est pas ça, mais c'est sur le moment. Mamadou. Ah oui, bah, écoute... Vous êtes con. Ça commence... Ça commence par un M. Pas la bonne personne. Mamadou et Maria. Bah écoute, ça sonnait bien. Ça sonnait pas mal, mais c'était pas ça. Tu t'es reprise après. Bien joué, Joey, tu as perturbé l'équipe adverse. Ouais, c'est très bien. C'est très drôle. Ouais, bah déconne pas, hein, ça va, calme-toi. Tu penses à Mamadou?
Pauvre Mamadou, mais laissez tranquille Mamadou. Amélie, tu te rappelles qu'on avait en première année à la fac un Mamadou? Oui. Il m'appelait professeur et il comprenait rien à ce que je lui racontais. Et du coup, donc, c'est pour ça que ça m'a fait rire en plus. Il était très gentil. Un crouche avec Amadou et Maria. C'est vrai qu'il avait, pardon, il avait une très trop, le garçon. Mais Florent n'a même pas ri, hein. Bravo, parce que moi, j'ai ri dans ma tête. Hein, ah, mais moi, je Alain, me suis dit, non, c'est pas Mamadou. Je suis imperturbable, chers amis. C'est pas Mamadou. C'est pas Mamadou, on laisse Mamadou tranquille. Allez, Amélie, Flo, ça va être à vous. Ah oui. Qui commence? Pas moi. Flo. Oh bah moi alors. Amélie, numéro 3 et 20. 11. 11, évidemment. Tu reprends tes je esprits. Je sais pas pourquoi tu demandes. Hein. Oh, tu reprends tes esprits, s'il te plaît. Ouais, c'est bon, Flo, à la fin de ma première question, le chrono commencera. Es-tu prêt? Ouais. Un myope voit-il mal de loin ou de près? De loin. Bonne réponse. En géométrie, combien de côtés possède un losange? 4. Bonne réponse. Combien y a-t-il de kilos dans une tonne? 1000. Bonne réponse. Comment s'appelle un triangle avec un angle droit? Un triangle rectangle. Bonne réponse. Vrai ou faux, les côtes flottantes désignent les deux dernières paires de côtes? Ouais. Bonne réponse. Quel nom porte la plus petite partie d'une image numérique? Un pixel. Bonne réponse. Combien y a-t-il de millions dans 1000 milliards? 1000 millions. Non, 1 million. Un berger a 16 brebis, toutes meurent sauf 10. Combien lui en reste-t-il? 6. 10. Combien de temps met la Terre pour faire une rotation sur elle-même? 4 heures. Bonne réponse. Vrai ou faux, pi r carré permet de définir l'aire d'un disque de rayon R? Vrai. Bonne réponse. Quelle profession est concernée par le serment d'Hippocrate? Médecine. Bonne médecin. Réponse. Sous quel nom est plus connu l'acide des ribonucléiques? Des oxyribonucléiques. L'ADN. Bonne réponse. Combien fait le double du triple de la moitié de 6? 6. 18. Merde. Alors, oui, un berger a 16 brebis, toutes meurent sauf 10, il en reste 10. T'aurais peut-être pu dire pas ce nom, le double du strip de la moitié. Non, de toute façon, c'était la dernière. Oui, c'est la dernière, il a bien joué, Flo. Oh mon dieu. Non, oh. Par contre, j'ai pris trop de temps pour le 1000 milliards. Oh non. Pour le quoi? Ouais. Le 1000 milliards, j'ai plus. Non, mais il y a des questions. Ouais, c'est passer, pour ça que je t'ai dit pas. Hein. Des questions, faut passer, les enfants. Ah non, mais j'ai bugué. Genre, vraiment, je. Il n'y avait plus rien qui sortait de ma bouche. Ça se voit. Et je pouvais pas dire passe à sa place parce que j'ai passé, moi. Non, pas du tout. Oh, merde. Donc. Ah non, sinon on répondrait aux questions du binôme. Oui, sinon ce serait trop facile. Non, mais je l'ai senti dans le mal, tu sais, en mode ah, quoi. Les amis, il va y avoir énormément de changements. Bon. Oh, bah vas-y. D'abord. Et... Moi et Catherine Lara, quoi. Ah. Oui, c'est un peu ça. Roulement de tambour, les scores. Laisse-moi ça. 9, 9 et 10. Ah, donc, pas mal, ça. On a tout pété. Hey, on a tout pété quand même. Oui, vous avez tout pété. Oui. Du coup, maintenant, il faut que vous remettez à jour ce classement. Le meilleur, le meilleur. C'est l'émission. Non, mais ils les rajoutent. C'est l'émission où le classement bouge le plus. Ouh. Parce que, miaou. Là, on est 6 dans l'émission, dans l'émission, tu sais. Oui, en même temps, il y a la moitié de l'émission. Roulement de tambour. Là, il y a la moitié des personnes qui participent, tu sais, elles sont là. Ce score-là, oui. Aïe. Vérifie quand même que je fasse pas de conneries. Non, c'est bon. Il y a de la surprise, honnêtement. Oh, surprise. Malapaka. Oui, voilà, merci. Merci. De la surprise, il n'y a plus d'ex-aequo. Mais on sait, c'est bon. Dans les feux de l'amour aujourd'hui, dans l'épisode 6846. Il y a des changements de colonne. Il y a un changement. Oh. C'est Gigi qui remonte. Il y a quelqu'un qui se... Elle avait pas déjà changé de colonne? Bien. Gigi. Ah, non, Gigi, elle est revenue dans sa colonne initiale. Oh putain, j'ai vraiment pas suivi, hein. Moi non plus. Tu t'en fous de nous, Amélie, en fait, c'est mais ça? Mais non, mais même pas. Mais moi, j'étais restée sur Gigi qui était passée dans l'autre colonne. Non. J'étais bien, tu vois. Moi, je te fais gagner des points et tu regardes même pas où dans on en l'eau est. De colonne. Est je croyais en elle, moi. Le classement va apparaître. Le classement. Et là, les changements le sont classement. Nombreux, puisque on va le commenter. Lorena est donc première avec 12 points, une participation. Julien, deuxième, 10,67. Amélie, voilà. Chloé, reste sur le podium. 10,56. Hugo, tu chutes quatrième. Oh. Doumé, tu remontes à la cinquième place, l'ami. Déjà. Je crois que je n'ai pas bougé. Hein. Je suis stoïque. Hein.
Flo, sixième, c'est ça, c'est la grande surprise, c'est Flo qui remonte. Oui, il remonte dans la colonne. Romain Romain, du coup, passe septième. Il va me défoncer. Le Kratos. Oh mon dieu. Flo, du coup, ça fait quoi de remonter et d'être proche de la finale? Waouh. T'inquiète, je vais redescendre. Cache ta joie. Cache ta joie. Non, mais il non, mais, faut pas que je me fasse de fausses illusions parce que je vais redescendre de toute façon. Romain, donc, wow. Romain est 7ème, Gigi 8ème. 8ème avec 9,33, hein, c'est jamais vu. Ah bah ouais, mais attends, j'ai gagné plus de points, mais je perds une place. Ouais, tu perds une place parce que Flo explose tout. Bah, tu n'as pas fini encore. Hein. Nicolas, 9ème. Joy, tu restes 10ème pour l'instant. Et Marc, 11ème. Sachant qu'il restera, je vous le rappelle, le but contre la montre, c'est cette dernière émission. De gagner des points et de doubler vos points uniquement s'ils sont supérieurs à votre moyenne. Et je réfléchis peut-être à faire un autre bonus pendant cette émission, je dirais.